Là, au détour, Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous suivent via notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre chaîne YouTube. Grand bonjour et bienvenue également à toutes celles et ceux qui nous suivent via nos partenaires RCF et IWTN. Xavier Sartre avec vous pour cette rencontre du pape François avec les autorités de l'Estonie au quatrième et dernier jour de son 25e voyage apostolique qui l'a conduit dans les pays baltes. Aujourd'hui donc, place à l'Estonie, le pays le plus au nord de ces trois pays, le pays aussi le moins religieux, le moins croyant. La majorité de la population est en effet athée ou en tout cas non croyante. Les catholiques sont à peine quelques centaines, tout au plus 4000 selon les chiffres officiels. C'est dire pour le pape François que ce voyage est surtout un voyage à la rencontre d'une toute petite église de la périphérie européenne. C'est également un voyage à connotation comme hier écuménique, puisque en Estonie, traditionnellement, le pays était plutôt protestant, luthérien. Mais l'histoire mouvementée également de ce pays a fait que la majorité de la population aujourd'hui ne croit plus en Dieu, ce qui ne veut pas dire que le pays est hostile aux religions, bien au contraire. Le pape est donc arrivé ce matin à l'aéroport de Tallinn, la capitale sur la mer Baltique. Il est maintenant en train de s'entretenir avec la présidente de la République. Kersti Kaljuled, jeune présidente de 49 ans qui dirige ce pays depuis octobre 2016. Dans quelques minutes, le pape et la présidente sortiront du bureau présidentiel pour se rendre dans le parc du palais, dans le jardin des roses, qui se trouve à l'est de la ville, près d'un ancien palais qui était aujourd'hui transformé en musée. Le palais actuel, lui, a été construit en 1938, du temps où l'Estonie était indépendante, puisque le pays fête cette année les 100 ans de sa première indépendance. Au sortir de la Première Guerre mondiale, le pays s'émancipe de la Russie tsariste, qui était devenue entre-temps la Russie bolchevique. Le pays restera indépendant jusqu'en 1940, avant d'être annexé par l'Union soviétique à la suite de l'invasion de la Pologne par les troupes soviétiques et allemandes. Le pays sera également occupé par la suite, pendant plusieurs années, par l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui portera à l'élimination complète et totale de la communauté juive qui y résidait. Et en 1945, le pays a été de nouveau occupé par l'Union soviétique, en est devenue une des républiques fédérées, et ce jusqu'en 1991, date de sa seconde indépendance avec les deux autres pays baltes, la Lettonie et la Lituanie. Les délégations sont sorties du palais et se dirigent donc vers ce jardin des roses. Sous le soleil, pas mal de vent, on a vu tout à l'heure, grâce au drapeau. Mais sous le soleil, même frais de ce début d'automne sur les bords de la mer Baltique.
Il y aura deux discours, bien évidemment. Celui tout d'abord de la présidente de la République d'Estonie, et puis ensuite le discours du pape François. Les relations entre la République d'Estonie et le Saint-Siège sont anciennes. Elles datent du tout début de l'indépendance de l'Estonie. Les relations ont bien évidemment été interrompues du temps de l'occupation soviétique. Elles ont été rétablies au retour de l'indépendance au début des années 90. Alors je vous le disais, le pays n'est pas du tout catholique, mais c'est une église finalement assez dynamique. Toute petite, mais dynamique. Puisque le nombre de fidèles s'accroît. Même si les catholiques ne représentent que 0,5% de la population. Il y a 9 paroisses. Un évêque, administrateur apostolique. 15 prêtres diocésains, 2 prêtres religieux. En tout donc 17 prêtres. 30 religieuses. L'Estonie fut, comme la plupart des pays baltes, évangélisée à partir du XIIIe siècle seulement, et ce par l'ordre teutonique. L'Estonie s'est convertie assez tôt au luthéranisme, le catholicisme disparaissant quasiment complètement, sur la faveur aussi de l'occupation suédoise, puisque l'Estonie est passée de main étrangère en main étrangère, ce qui n'a pas empêché ce pays de conserver sa culture et surtout sa langue. Élément très important pour la nation estonienne. Le pays compte également des orthodoxes, puisque évidemment sous le tsarisme, des colons russes se sont implantés dans le pays, apportant avec eux leur religion. Ceux-ci sont restés après l'indépendance en 1918. Il y a également les Russes qui sont arrivés, eux, après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'objectif des autorités soviétiques était de soviétiser, donc de russifier surtout le pays. La maîtrise de la langue estonienne est donc incontournable et déterminante pour que certains Russes qui sont devenus après l'indépendance apatrides, puisque arrivés dans le pays après 1945, pour qu'ils obtiennent la naturalisation estonienne, ce qui n'est pas sans provoquer quelques tensions dans le pays entre les deux communautés, les Russes étant arrivés avant 1918 n'ayant eux aucun problème. Le pape et la présidente sont maintenant sortis à leur tour du palais présidentiel, passant devant les différentes délégations. L'administrateur apostolique est un Français, c'est Mgr Philippe Jean-Charles Jourdan. En place depuis le début des années 2000 et qui est à la tête de cette église jeune. Fait renaître une église catholique qui avait quasiment disparu.
Many elite. Après cette rencontre officielle, le pape se rendra dans la capitale, non, la cathédrale luthérienne de Tallinn pour une rencontre œcuménique avec les jeunes. Le pape et la présidente qui visiblement s'entendent bien. Qui ne cesse de discuter, alors qu'ils devraient rejoindre maintenant leur tribune pour les discours officiels. Même si l'Église catholique était peu présente en Estonie durant les derniers siècles, elle n'en fut pas moins persécutée par les Soviétiques. Voilà, maintenant la présidente va s'exprimer, Madame Kersti Kaljuled. Mul on väga hea meel tervitada teid Eestis ajaloolisel Maarja. Sainteté, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en Estonie, historique Terra Mariana, à l'occasion du centenaire de l'indépendance de notre pays. Notre déclaration d'indépendance du 24 février 1918 s'est engagée à garantir des libertés égales à tout le peuple estonien, sans distinction pour des raisons d'opinion politique, d'origine ethnique ou de conviction religieuse. La liberté religieuse est précisément l'une des pierres angulaires sur lesquelles repose notre démocratie. À cet égard, je voudrais rappeler un échange qui a lieu au Vatican il y a environ 100 ans. Pendant la guerre d'indépendance de l'Estonie, alors que le pays a exercé une pression sur la communauté internationale pour obtenir sa reconnaissance, Karel Robert Pusta, diplomate estonien, a eu une rencontre avec le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Gaspari, qui entre autres voulait en savoir plus sur les relations entre l'Église et l'État. Face à la réponse de Pusta, à savoir qu'il y avait une liberté religieuse totale dans la Nouvelle République, le cardinal a répondu cordialement « Alors, nous devons être amis ». Cette amitié a duré en résistant aux épreuves, même pendant les périodes les plus difficiles. Le Saint-Siège n'a jamais reconnu l'occupation de l'Estonie. Pendant l'ère soviétique, vous avez maintenu l'administration apostolique de l'Estonie vacante pour des raisons politiques. Avec son autorité morale et politique, le Saint-Siège a été une source de pouvoir spirituel pour les nations européennes prises en otage par le communisme. Il leur a donné l'inspiration qu'ils pourraient recouvrer leur liberté et leur a rappelé les paroles de Paul aux Romains. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Depuis plus d'un quart de siècle, l'Estonie est à nouveau libre. Au cours de cette période, beaucoup de choses ont changé. Mais l'Estonie est toujours restée fidèle à la liberté, à l'ouverture, à la démocratie, ce qui a été la base du développement rapide de notre société. Et il est toujours important de rappeler un vers d'un poème de Jean-Paul II qui s'est rendu en Estonie il y a 25 ans. La liberté doit toujours être conquise. Nous ne pouvons pas simplement la posséder. Elle vient comme un cadeau, mais ne peut être maintenue que par la bataille.
Nous devons toujours veiller à préserver notre liberté et les droits de l'homme. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons avoir quelques jours de légèreté, mais nous hériterons d'un avenir plein de soucis. Se cacher devant les problèmes du monde ne rend personne plus fort ou plus heureux. Car derrière la porte fermée, seule la peur peut grandir. Jamais un avenir créatif est sûr. Il est une responsabilité partagée par chacun d'entre nous. Celle de trouver des solutions aux problèmes du monde, que ce soit la souffrance des personnes fuyant les atrocités et la guerre, le changement climatique et les problèmes de migration, voire la pauvreté. En période de changement rapide des développements économiques, les plus vulnérables d'entre nous ne doivent pas être mis de côté. Les pauvres, les handicapés, les plus jeunes et les plus âgés. Nous devons nous rappeler que le succès économique nous oblige à prendre en compte l'autre et en prendre soin. Pour reprendre une idée à laquelle vous avez donné la parole, un peuple qui ne s'occupe pas des enfants et des personnes âgées est un peuple sans espoir. Sainteté. S'attaquer au problème du changement climatique est une question cruciale de notre époque. Et nous connaissons clairement le lien entre celui-ci et le problème de la migration. Les progrès rapides de la technologie nous aideront certainement à faire face au changement climatique. Cependant, ce n'est qu'une partie, car le défi consiste à changer nos habitudes de comportement et notre mentalité gaspillée. À cet égard, même les plus petits pays et les plus petites nations peuvent être des guides, car nous avons les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des changements rapides. Un bon exemple est la campagne Let's Do It, qui a débuté en Estonie et qui est devenue un mouvement mondial il y a quelques semaines. Cela montre que même un petit pays peut devenir formidable lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes mondiaux. Le monde que nous laisserons aux générations futures dépend de nous. L'écrivain estonien Jan Kaplinski a proposé que le symbole du mouvement contre le gaspillage soit le vêtement de Saint François d'Assise, que ce dernier continuait à réparer, ne jeter jamais. Et je voudrais terminer mon discours par les paroles de Saint François d'Assise. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Sainteté, je vous remercie, je suis sûr que notre amitié se poursuivra au fil des ans. C'est le discours de la présidente de la République d'Estonie, Madame Kersti Kaljulaid. Le pape va maintenant prendre la parole. Madame la Présidente, membres du gouvernement et autorités, distingués membres du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ici à Tallinn, la capitale la plus septentrionale que le Seigneur m'ait donné de visiter. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour vos paroles de bienvenue et pour l'opportunité de rencontrer les représentants de ce peuple d'Estonie. Je sais que parmi vous, il y a aussi une délégation des secteurs de la société civile et du monde de la culture, ce qui me permet d'exprimer mon désir de connaître un peu plus votre culture, surtout cette capacité d'endurance qui vous a permis de recommencer face à de nombreuses situations d'adversité. Di fronte a tante situazioni di avversità. Da secoli queste terre sono chiamate. Depuis des siècles, ces terres sont appelées terres de Marie, Mariama. Un nom qui non seulement appartient à votre histoire, mais aussi fait partie de votre culture. Pensare a Maria evoca in me due parole: memoria e fecondità. Penser à Marie évoque en moi deux mots, mémoire et fécondité. Elle est la femme de la mémoire qui garde tout ce qu'elle vit comme un trésor dans son cœur.
Elle est la mère féconde qui donne la vie à son fils. Voilà pourquoi j'aime penser à l'Estonie comme à une terre de mémoire et de fécondité. Terre de mémoire. Votre peuple a dû supporter à diverses époques historiques de durs moments de souffrance et de tribulation. Des luttes pour la liberté, pour l'indépendance, qui ont toujours été remises en cause ou menacées. Cependant, au cours de cette dernière période d'un peu plus de 25 ans, où vous êtes rentré à part entière dans la famille des nations, la société estonienne a fait des pas de géant. Et votre pays, même en étant petit, se trouve parmi les premiers, selon les indicateurs de développement, par sa capacité d'innovation, sans compter qu'il révèle un niveau élevé de liberté de presse, de démocratie et de liberté politique. En outre, vous avez renforcé les liens de coopération et d'amitié avec divers pays. En considérant votre passé et votre présent, nous trouvons des motifs de regarder l'avenir avec espérance face aux nouveaux défis qui se présentent à vous. Être terre de mémoire signifie savoir se souvenir que le niveau auquel vous êtes parvenu aujourd'hui est dû à l'effort, au travail, à l'esprit et à la foi de vos ancêtres. Cultiver la mémoire reconnaissante permet de rapporter tous les résultats dont vous jouissiez aujourd'hui à une histoire d'hommes et de femmes qui ont combattu pour rendre possible cette liberté et qui, à son tour, vous place devant le défi de leur rendre hommage en ouvrant des voies pour ceux qui arriveront après. Terre de fécondité. Comme je l'ai souligné au début de mon ministère d'évêque de Rome, l'humanité vit en ce moment un tournant historique que nous pouvons voir dans les progrès qui se produisent dans différents domaines. On doit louer les succès qui contribuent au bien-être des personnes. Cependant, il faut rappeler avec insistance que le bien-être n'est pas toujours synonyme de vivre bien. L'une des conséquences que nous pouvons observer dans nos sociétés technocratiques, c'est la perte du sens de la vie, de la joie de vivre, et donc une extinction lente et silencieuse de la capacité d'émerveillement qui plonge souvent les gens dans une lassitude existentielle. La conscience d'appartenance et de lutte pour les autres, d'enracinement dans un peuple, dans une culture, dans une famille, peut se perdre peu à peu en privant les plus jeunes, en particulier, de racines à partir desquelles on construit son présent et son avenir, car on les prive de la capacité de rêver, de risquer, de créer. Mettre toute sa confiance dans le progrès technologique comme unique voie possible de développement peut causer la perte de la capacité de créer des liens interpersonnels, intergénérationnels et interculturels. Bref, ce tissu vital si important pour se sentir, faire partie l'un de l'autre et partie prenante d'un projet commun dans le sens le plus large du terme. Par conséquent, l'une des responsabilités les plus importantes que nous ayons, nous qui assumons une charge sociale, politique, éducative, religieuse, se trouve précisément dans la manière dont nous devenons des artisans de liens.
Une terre féconde demande des environnements dans lesquels il faut enraciner et créer un réseau à même de faire en sorte que les membres des communautés se sentent à la maison. Il n'y a pas pire aliénation que de faire l'expérience de ne pas avoir de racines, de n'appartenir à personne. Une terre sera féconde, un peuple portera des fruits et sera en mesure de générer l'avenir uniquement dans la mesure où il donne vie à des relations d'appartenance entre ses membres, dans la mesure où il crée des liens d'intégration entre les générations et les diverses communautés qui le composent. Mais également dans la mesure où il rompt les spirales qui embrouillent les sens, en nous éloignant toujours les uns des autres. Dans cet effort, chers amis, je veux vous assurer que vous pouvez toujours compter sur le soutien et sur l'aide de l'Église catholique. Une petite communauté parmi vous m'est désireuse de contribuer à la fécondité de cette terre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour l'accueil et pour l'hospitalité. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre bien-aimé peuple estonien. De manière spéciale, qu'il bénisse les personnes âgées et les jeunes, afin que, gardant la mémoire et en l'assumant, il fasse de cette terre un modèle de fécondité. Merci. C'était le discours du pape François aux autorités estoniennes. Un discours qui est revenu sur peut-être deux problèmes, plutôt deux aspects saillants de la société estonienne. L'une, la grande place accordée à la technologie dans ce pays qui a décidé très tôt de tout miser notamment sur Internet et sur l'informatique. C'est peut-être l'un des pays les plus technologiques d'Europe. La présidente qui salue tout particulièrement Mgr Jourdan, l'administrateur apostolique, en place depuis le début des années 2000, et qui est à la tête de cette église très petite en termes de nombre, mais dynamique et bien insérée dans la société estonienne. Pour preuve de cette hyper-technicité, la présidente de la République a présenté et offert une carte de e-résident au pape François lors de l'échange des cadeaux. Une carte dans laquelle sont insérées toutes les données qui concernent chaque citoyen et chaque personne résidente dans le pays. Puis le deuxième aspect saillant, eh bien, c'est cette division de la société, de cette société estonienne, à cause de ce problème de la minorité russe dont je vous parlais au début de cette rencontre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute. Remercie à celles et ceux qui nous ont suivis via notre site internet, via notre chaîne YouTube, mais aussi via nos partenaires RCF et EWTN. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques dizaines de minutes pour le second événement de cette journée du pape François en Estonie, la rencontre œcuménique avec les jeunes dans la cathédrale luthérienne de Tallinn. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Laudetur Jesus Christus. Ma se la vuoi andare io ti dico 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 io ti